quoi? Mais c'est fait pour une demi-heure. Mais c'est comme si bon, la jambe ne puisse pas être dans ce sens. Est-ce qu'il y a encore un problème? Non. Je suis comme vous en comptant un gars qui peut tenir même 5 francs les nains. Maman, est-ce que les gars doivent bien? En même temps, on ne peut commander. On est censé dire en rouge. Je vous ai passé, oui, explique quoi encore. Il y a le soleil, tu ne vois pas le soleil ici. Doucement. Je t'ai demandé si... Pardon, m'a dit, viens, c'est pas comme si c'est pas donc. Écoute-moi au moins. Mais je vais écouter, viens, et tu me dis quoi. Non, tu me plais, c'est pas avec moi. On peut... Je te plais, on va manger ça. On va se battre, non. Je t'assure, on va se battre, je suis un battant. Je peux tout faire, même, tout faire. Tu ne peux même pas imaginer le nombre de choses que tu fais, même, tu vois. Quand tu vis là maintenant, non. Je te vois seulement immédiatement, j'ai compris que tu es en train de te dire. On va continuer à battre les arbres, pardon. Non, mais ce n'est pas le métier, non. Pardon, je ne parle pas les arbres, je ne parle pas les arbres. Écoute-moi, non. J'écoute quoi? Regarde quelqu'un avec la sans confiance. Non, mais j'ai pris au chantier. Seulement sa babouche dit qu'il n'a pas de confiance en lui. Oui, j'ai pris au chantier, non, oui, mais je me bats. Mais je me bats. Non, il faut que je vole. Laisse-moi demander qu'il ne se batte. Tu bats toi, mais donne-nous, quand on n'a pas l'argent pour aussi avoir les belles filles. Je ne suis pas intéressée. Oui, s'il te plaît, attends d'abord. Donne-moi quand même le numéro, j'écris bien sur le papier. Le numéro pour faire quoi? Tu vas porter la poste dans ma vie. J'écris bien sur le papier. Non, je ne veux pas la poste, papa. Il faut l'écrire. Ouais, donne-moi ce nom. Non, donne-moi ton nom quand même. Elle dit qu'elle ne veut pas pour le moment, laisse. Hein. Ça va, ouais. On ne sait jamais. Elle peut... On est au quartier ensemble. Ouais. Ok. Tu vas la revoir, d'accord. Il fait un peu chaud. Il y a le soleil, ça peut rendre le temps. Peut-être que tu es en train de venir fou là. Non, ouais, donne-moi ton nom quand même, non. Ça va tout se dire à quoi? Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la chance. Comme je te disais là, tu n'allais pas aller chercher comme ça. Pardon. Oh, mais c'est bien. Ego Galaxy. Quand tu es fâché même sous un soleil pareil, c'est quoi non? Tu manges trop. Et quand tu es même sexy, comme ça, il va croire que tu as l'argent. Tu aimes trop me descendre. Laisse ça là-bas. Comme ça, beau quoi. J'espère que tu as plusieurs dans la maison. Ah, qui est? Et qui est alors, tu vas seulement dire à tout le monde que tu es ma soeur. Est-ce que tu vois le gars, c'est... Même pas au cas la maison. Tout le monde est où ici, là. Tu es trop fâché. C'est d'abord quoi ton problème? Pardon. Tu vas pas qu'il y a le soleil comme ça. Tu es encore tombé sur un salopard. Ok. Tu es tombé sur un salopard. Tu es en train de demander l'argent. Dans ma bosse, c'est un sang là-bas. Ouais, je dois avoir une voilà tout à l'heure. N'est-ce pas? C'est une femme, c'est un sang. Vraiment, tu vois. C'est qu'elle veut compléter l'argent. Non, mais j'ai comme que le gars là. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Attends un peu. Donc, en fait, Alice a rencontré un gars tout à l'heure. Il a fait les avances. Elle a barré le gars parce qu'il était un peu bizarre. Mais quand j'ai vu la peau, comme ça, le gros cœur, un petit corps. Un petit corps dans le gros cœur. Pardon. Tu l'as comme ça, là. Il est un peu comme toi. Il vient prendre ses temps. Tu vas arrêter ta vie comme ça un jour. C'est juste non. Quand tu vois les gars qui sont tous chauds, il est un peu comme les gars, voilà. Il n'a rien dans la peau. Le mannequin. C'est parce que tu as même d'abord à ma soeur, tu me décharges seulement. Donc, les filles qui sont derrière toi là, vraiment. Je crois Tony. Je retiens le nom de ton dragueur. C'est des patins, tu peux faire ça qui était intéressé. De toute façon, tu parlais de ce poil là. Non, ouais. Il a fait son choix. Tony. Tu connais qui t'a gragué, mon frère? Vous êtes souvent là. Attends, tu le connais? C'est un gars grand de taille noir. Il aime garder les cheveux de mi-saison. Justement, le voilà. Qui ignore Tony dans les affaires du monde, dans les affaires du business, mon frère. C'est un terrible tété, mon frère.
si je te dis où il habite normalement. Ah, je parlais ici là. Tu connais ce que tu viens de rater ta chance. Et je t'ai bien dit non. Attends, sois un peu posé, tu parles à des heures. Là, j'étais heureux, je vais m'avoir 500. Je vais m'avoir 500, je vais même plus 500, je vais m'avoir colo là-bas. Eh, les gars, c'est moi, je parle à les dames, il y a vraiment rien, hein. Ça attends, passe. Dis-moi, Tony, là, c'est qui en fait? Kip, c'est un grand frère. Oh my god. C'est un gars, comment on dit? Les gens sont allés cuire en or dans la bouche. Si tu vois sa maison, hein. La, le sixième sens de la femme, j'ai dit à cette c'est parce que c'est un, gars que les gars vont vers lui parce qu'on le voit toujours bien ça. Et quand le gars tape le vêtement au corps, c'est comme si on a dessiné ça pour lui. Ah, on a un beau corps. Je te dis, mon frère. Donc, et je sens et je suis sûr qu'il a peut-être fait ça et parce le gars que, flashy. Et voilà. Je suis sûr qu'il a peut-être fait ça parce que. C'est-à-dire que les gars vont trop derrière le gars quand ils le voient. Donc, quand tu me dis que tu l'as vu en sans confiance, je ne suis même pas sûr qu'on parle du même. Ça veut dire qu'il cherche la femme de sa vie. Ah, je sais, mon frère. Parce que quand tu vois un gars bobo qui commence à être. Ah, ah ouais, donne-moi un bon colo. Donne-moi un colo. Fouille-toi. Non, ouais. Je me connais, non. La gueule à ma tante, il y a là-bas. Peut-être. Tu dis qu'il habite. Il dit que sa maison est là-bas, non. Tu es arrivé au petit rond-point là-bas, oui. Le petit carrefour qui est là. Mmh. Il y a une meuble là-haut la comme ça. Grosse maison là. Ouais, va un peu dire là-bas que tu veux. C'est oh, le vigile qui va t'accueillir là-bas. Là, c'est que là, les chiens ont la taille ici là. Ça t'arrive quelque part ici là. Voilà. Que tu blagues. Tu vois là. Les soirs là. C'est un peu comme quand il passe là, là que c'est son combien genre. Mon bon petit. Eh, pas mon bon petit, non, quand même. Pourquoi tu aimes des pourquoi tu aimes des sangs comme ça là. Quand le gars me donne le riz. J'ai compris, ça va. Je m'avais un peu chez lui. Ok. Non, mais Colola, non. Tu vas chez lui comment? Je l'ai pas, je pas chez lui. Eh ouais, l'argent. Mais tu sais, tu te moques de moi, non? Tu vois comment je parle de l'argent million. Allez, je te fais l'argent. En tout cas, on ne sait jamais. Je te dis. Va demander vas-y. Pardon. Ouais. Alors, tu te moques de moi. Pardon, ma boue est comme ça, non? Ok, je suis là. Tu as quelque chose à dire? Oui, maman. Je suis partie chez lui en ce moment. La dernière fois. Non, tout à l'heure, non. Ah. Je suis partie chez lui tout à l'heure en ce moment. Quand je suis quittée là, je suis justement partie chez lui. Mm-hmm. Je suis arrivée chez lui. C'est comme ton frère disait, maman, le cuisine, il y a le chien, la braillade du corps. Le vrai, vrai, le gars, bobo. Les maman, riches, les pénards. Je lui dis que pourquoi tu m'as menti, il m'a dit qu'il ne veut pas trop parler et tout. C'est en train de manger dans sa chambre, on est tous ensemble. Aussi vite. Donc, comme quoi, moi, pour maman, je voulais seulement qu'il ait confiance que même c'est le premier jour, maman, il a l'argent. Donc, si tu fais même que je donne le premier jour, je donne. Surtout qu'il t'a supplié le jour. Je te dis, maman, je ne sais pas, donne même si c'est qui veut, je donne. Et si c'est A pour toi, papa, prends, fais ça, ce que tu veux. Déjà, c'est A, j'ai le propriétaire. Oui, il n'y a plus personne derrière. Et personne derrière. Ah, ça, ça fait. Moi, je suis rentrée, je suis sortie là. Et tu trouves que c'était vraiment qu'il y avait du respect? Mm-hmm. Oui, non, gars, il fallait quand même que je reparte vers lui et puis je m'ouvre à lui. C'est ce que j'ai fait. J'ai comme l'impression que ça craint. Déjà, voilà, coucher avec lui comme ça, tu t'en moins pour que lui le fait. Oui, bon, attends, je m'en moins pour que lui si vous savez, je pense pas. Mais je sais quand même que je vais en payer et je doute qu'il ait une maladie. Allez-y. On ne doute pas pour les maladies, surtout que c'est le genre de mec qui est assez riche là. Mon frère, tu connais les goûts qui parlent, c'est tout. Et juste que c'est même le gars des influenceuses. Faites très attention ici. En tout cas, pardon. Je suis un peu passée à la maison là, j'ai pris un petit jus là. On peut partir boire même. On peut boire un jus. La femme du riche. La femme du riche. Maman. La go du porteur, c'est une porteuse. Alors, du coup, tu es porteuse. On commence un peu. On va comment... vraiment entrer en relation là. Ah, pas, ça va se savoir. Madame, bientôt tu vas rouler dans. Ok, Alice, n'oublie pas. Maman, la rage. Maman, la rage. Apparemment, le gars est parti. C'est au parking. Il a peur que c'est sa maison. Je ne sais pas, il demande combien de vies c'est ici. Il est là, il est là. Tu as trouvé le gars dans toute sa grandeur. Maman, elle bosse. Je t'ai dit non, l'autre fois je me voyais là, il n'était pas bien habillé, mais il reflétait quelque chose de bien quoi. Donc, ça va aller. De toute façon, si vous êtes bien séparés, vous êtes bien passés, ça veut dire qu'il tient vraiment. Donc,
Voilà. En tout cas, j'ai même trop soin. C'est bon. C'est ton gars, et ton Dieu. Les yeux aussi. Amour, maman. Ça fait de moi. Ça va. Ça va, tu peux. Non, mais attends d'abord. C'est quoi? Pourquoi tu me repousses comme ça? Je te repousse pas, mais. Je mets une limite, non? Il y a la distance, non? C'est quoi? La distance par rapport à quoi? Il y a le corona. Non, mais calme-toi. Je suis pressé, je suis en train de parler. Attends, ça fait. Non, attends. Ouais, c'est quoi le truc? Vous êtes en couple, non? Pourquoi tu réagis? En couple de quoi? Attends, on est en couple. Attends, par rapport à quoi? On n'a pas couché ensemble tout à l'heure. Donc, coucher ensemble, ça veut dire égalité, ça veut dire couple. Yeah! Donc, comme on a couché ensemble, ça veut dire qu'on est ensemble. Non, attends, attends, je te pose une question. Attends, réponds à ta question. Oui, là. Ça veut dire qu'on est réponds ensemble. À ta question. Oui, non, on n'est pas ensemble. Du tout. Du tout. Donc, toi aussi, non, tu non, veux non, juste non, coucher non. avec elle. Non, en fait, à la base, moi, je t'aimais. Je suis venu, tu as vu comment j'ai vécu et tout. Mais tu es revenu pourquoi? Pourquoi tu es revenu chez moi? Je suis sûr que les gens ont dû parler, Elle a juste réfléchi, elle s'est rendue compte que c'était mal comporté. Je pense que toi, pour ton futur, tu préfères mieux de fermer la bouche. Tu fermes ça, d'accord? Tu fermes. Je suis sûr que tu as dû entendre certaines choses. Je n'ai rien entendu. Donc ça va, même si tu as bien réfléchi, c'est... moi c'est pas le Seigneur Jésus, pardonne pas. Attends, c'est pas Jésus, ne pardonne pas. Donc ça va, s'il te plaît. Non, c'est moi qui te demande, s'il te plaît. Non, ne m'aime plus, pardon. Ne m'aime plus, non. Arrête un peu, arrête ça. Tu vas me faire une scène devant les gens, Non, le quartier, s'il te plaît. Non. Pardon. Laisse-le, alors. C'est ce que tu voulais, non? Vas-y, tu as eu ce que tu voulais. Malheureux. Regardez, je suis sûr que tu es un scammer, bandit. La maison que tu as là, tu es dans la sorcellerie.